Très heureux d'accueillir aujourd'hui mon frère et ami Albert, le ministre des Affaires étrangères du Burundi, qui effectue une visite de travail de quelques jours ici au Maroc. Nous nous voyons souvent en marge des réunions régionales et internationales. Nous sommes toujours en contact par rapport aux différentes questions bilatérales, mais c'est un plaisir de te recevoir, Albert, ici à Rabat, dans cette visite de travail. Nos discussions portaient sur l'évolution de nos relations bilatérales au cours des dernières années, et surtout au cours des deux dernières années, nous avons fait des progrès énormes. Nous avons aujourd'hui opérationnalisé les deux ambassades ici à Rabat et à Bujumbura. Nous avons aussi renforcé notre cadre juridique et aujourd'hui nous avons signé trois accords, en plus d'un communiqué conjoint, un accord sur l'établissement d'une commission de coopération économique et un accord sur l'exemption des visas pour les passeports officiels. Nous avons convenu au cours de nos discussions de tenir au cours du premier semestre 2023, la première session de la commission mixte maroco-burundaise, qui sera l'occasion pour renforcer notre coopération sectorielle et qui sera l'occasion également pour donner une forte impulsion à nos échanges économiques. Monsieur le ministre a eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de ministres sectoriels, le ministre de l'Agriculture, le ministre des Finances. Il aura aussi une rencontre avec l'OFPPT et avec l'OCP pour impliquer le maximum d'acteurs dans cette relation bilatérale au bénéfice des deux peuples frères. Nous travaillons conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et de Son Excellence le Président pour que notre coopération soit basée sur le partage de l'expérience et sur une coopération sud-sud orientée vers l'action. Et c'est dans ce cadre-là que la dimension formation est une dimension importante. Et nous avons déjà augmenté le nombre de bourses de 40 à 140. Et aujourd'hui, on est prêt à aller encore plus loin dans le cadre d'une planification qui s'adapte aux besoins en formation de ce pays frère. Et d'orienter cette formation plutôt vers la formation professionnelle, et nous allons travailler sur ça. C'était l'occasion pour moi aussi de remercier le Burundi à travers mon collègue Son Excellence le Président pour des positions claires, constantes concernant la question du Sahara marocain, et aussi
nous avons convenu qu'en marge de la réunion de la commission économique, qu'on organisera un forum d'affaires Maroc-Burundi pour impliquer davantage le secteur privé dans cette coopération. Donc la réunion a été positive en termes d'impulsion donnée à nos relations bilatérales, en termes de précision des échéances à venir de notre coopération et en termes de renforcement de la concertation sur un certain nombre de questions régionales et internationales. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.